Oui, monsieur, pour moi, le français, c'est la langue très jolie. Ok, très bien. C'est une langue, est-ce que cette langue vous aide à trouver un travail, vous aide à faire des recherches, vous êtes à communiquer avec des francophones ou non? Oui, monsieur. Oui, aussi, hein? OK. Donc, pour moi, hein, pour moi je réponds aussi à cette question. En fait, pour moi, le français, c'est une langue ou c'est la langue qui m'a aidé à trouver un travail et que j'aime. J'aime bien cette langue parce que quand, par exemple, quand... Si je peux faire du voyage en France ou dans les pays francophones, je peux utiliser ou je peux l'utiliser pour la communication, pour communiquer avec les francophones. D'accord? En plus, je peux gagner de l'argent grâce à cette langue parce que je travaille comme enseignant de français et voilà. OK. C'est tout pour moi. D'accord? Bon, et vous, OK, Oui, très bien. monsieur. Très bien aussi, hein? Mais si vous voulez ajouter autre chose, pourquoi pas, je vous écoute. Pour moi, la langue française, c'est difficile. Je n'aime pas beaucoup. J'aime utiliser l'anglais. Mais je voudrais étudier. Je voudrais faire le stage en France. Donc, j'étudie la langue française. OK. C'est très bien. Très bien. Alors, merci. On passe à l'activité 1. Qui peut lire, s'il vous plaît? Activité 1. Répondez au quiz sur la langue française, puis regardez l'infographie pour vérifier vos réponses. Avant, c'était le latin qui était utilisé en France. Vrai, faux. Le tout, monsieur? Oui. Ah non, Le je vais t'arrêter. Donc, lis et puis j'arrête. Tu finis OK. deux, phrase deux. Le traité de Versailles a été signé en 1945. OK, Vrai, faux. merci. Trois, le Merci. français est une langue officielle à l'UNESCO. Oh, Au FMI, FMI, à Interpol. Interpol, l'ONU, vrai, faux. Bon, merci. Ça va. Ensuite, quatre. Quatre, nous numérotons les langues suivantes. L'importance dans les documents écrits à l'ONU. Le Le français. français, l'arabe, l'espagnol, l'anglais, le russe, le chinois. Et cinq, à la Cour internationale de justice, le français est la seule langue de travail. Vrai Bon, ou faux? merci. Merci, très bien. Manette, tu peux lire, s'il te plaît. Six. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Tu lis, s'il te Oui. plaît. Ah oui. 6. Les langues européennes pratiquent
le multilinguisme. Vrai ou faux? 7. Lors des conversations téléphoniques entre Marco et Poutine, l'anglais est la... Macron. Pardon. Entre Macron et Poutine, l'anglais est la langue parlée. Vrai ou faux? OK, merci. Donc, ça va? Vous comprenez tous les phrases? Oui ou non? C'est bon, on peut regarder la vidéo. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo? Oui, monsieur. OK. Donc, attendez. On regarde sans le son. Il n'y a pas de son, hein. OK? On commence. OK. D'accord. Donc, on revient un petit peu à notre exercice. Essayez de, en fait, choisir si c'est vrai ou faux toutes les sept phrases, s'il vous plaît, en une minute. Allez-y.
OK. Donc, on regardait encore une fois avec le son, hein? Cette fois-ci avec le son. OK? Oui, monsieur. On y va. En cette période de grande tension sur la planète, les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler ? Dans le domaine de la diplomatie, le français a toujours été en pointe. À partir du XVIIIe siècle, il remplaçait le latin pour la rédaction des traités internationaux. Et c'est en 1919, pour le traité de Versailles, à l'issue de la Première Guerre mondiale, que le français a dû, pour la première fois, partager avec l'anglais. Aujourd'hui, le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, fait partie des langues officielles des principales instances internationales, de l'OTAN aux Nations Unies. Au sein de l'Office de l'ONU à Genève, une large partie des documents, avant d'être traduits, sont rédigés en anglais. La langue française arrive en seconde position, puis viennent les langues espagnoles, russes, arabes et chinoises. Seul l'anglais et le français sont reconnus comme langue de travail à la Cour internationale de justice. Dans les instances européennes, alors que le Brexit est passé par là, l'anglais reste prédominant, mais il est demandé que chaque représentant s'exprime dans sa langue natale. C'est ce que l'on appelle le multilinguisme. 24 langues officielles pour les 27 États membres. À l'arrivée, de belles journées de travail pour les 5000 traducteurs des instances européennes. Pour la petite histoire, chacun sa langue, c'est l'option qui a été choisie ces jours-ci pour les nombreuses et longues conversations téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Le français, le multilinguisme et les traducteurs ont donc encore de beaux jours devant eux. Vous n'entendez pas, bien? Non, ça le sens n'est pas faux. Ok, c'est pas grave, on va regarder encore une fois, on regarde encore une fois, mais avant de regarder pour la troisième fois, je vous laisse discuter entre vous. OK? D'accord? Je vais partager en binôme, ça veut dire par deux. Je vais vous diviser par deux, par trois. Donc, OK, pas deux. Donc, Fina, tu travailles avec Somreplit et Rotin avec Manette. Vous avez en fait 5 minutes de discussion. 5 minutes, c'est 5 minutes seulement. On y va.
Bon. OK. Alors, vous pouvez... Qui peut répondre à vous? Hein, c'est vrai. Tu lis, s'il te plaît, avant. Tu peux lire d'abord, et puis vrai ou faux. Avant, c'était le latin qui était utilisé en France. C'est vrai. Bien, c'est vrai. Deux. Deux, c'est faux, monsieur. Tu lis d'abord. Le traité de Versailles a été signé en 1945. C'est faux, monsieur. C'est faux. Oui. Donc, si c'est faux, c'est en quelle année? En 1919, monsieur. Et en 1919. Ensuite, trois. Final, trois. Le français est une langue officielle de l'UNESCO. C'est vrai, monsieur. OK, très bien. Et aussi dans d'autres organisations internationales aussi. OK, c'est vrai. Ensuite, quatre. Quatre. Prêt. Quatre. Numéro T. Les langues suivantes, l'important dans les documents écrits à l'ONU. Le premier, c'est l'anglais. OK, le premier, c'est l'anglais. Et le français. Deuxième, c'est le français, très bien. Oui, deuxième, c'est le français. Et troisième, c'est l'espagnol. Oui, l'espagnol. Et quatrième, le russe. Le russe. Et arabe, monsieur, l'arabe. L'arabe, quatre, cinq. Et enfin, le chinois. OK, enfin, c'est le chinois, c'est le numéro six. OK, bon, très bien. Donc, encore une fois, l'anglais, premier, deuxième, le français, trois, l'espagnol, quatre, le russe, cinq, l'arabe, six, le chinois. Bon, très bien. Cinq, question cinq. Attends, à la cour. Cinq, à la cour internationale de justice, le français est la seule langue de travail. C'est faux. Alors, c'est quelle langue alors? Oui, très bien, c'est faux, mais c'est quelle langue? Anglais. C'est vraiment l'anglais. En fait, il y a deux langues. C'est l'anglais et français. Oui, le français. C'est l'anglais et le français. OK. Six, les instances, Manette. Ah oui. Six, les instances européennes pratiquent le multilinguisme. C'est vrai, monsieur. Oui, c'est vrai. Enfin, sept. Sept. Lors des conversations téléphoniques entre Macron et Poutine,
l'anglais est la langue parlée. C'est faux. Alors, si c'est faux, c'est quoi la bonne réponse? C'est français, monsieur. Arabe, monsieur. Arabe? Le français et l'arabe, non. Oh, non. Oui, le français, oui, mais l'arabe, non. Oui. Je ne connais pas le... Je vois que... Non, l'espagnol, non. Français, monsieur. Oui, français, mais deux langues, en fait. Ça veut dire, Macron, il parle français. Oh. Et Poutine, il parle... Et on... Le russe, monsieur. Le russe. Il parle russe. Donc, on peut dire chacun a sa langue. Ça veut dire chacun oui. parle. Madame, venez, parle oui, sa oui. langue. D'accord? OK. Donc, on passe à l'exercice 2 avec des vocabulaires. Donc, en fait... Il y a des mots si contre avec la définition. Par exemple, est-ce que vous pouvez compléter? Là, ici, hein, il y a des mots ici, dedans. Quel mot? Hein? Vous voyez quel mot? Par exemple? Traduire. Une instance. Une langue officielle. OK. Ici, c'est quoi? Une langue de travail. Très bien. Le? Multilinguisme. Mm-hmm. Et une langue? Une langue natale. OK. Pouvez-vous faire? Ou non? 2 minutes? 2 ou 3 minutes? OK, alors, hein? Vous lisez et puis vous donnez la réponse. Qui peut faire? Moi, monsieur. Vas-y. Une institution, un organisme qui exerce un pouvoir de décision. Ok, c'est quoi? Une instance. Oui, très bien, c'est une instance. Mm-hmm. Ensuite, deux, exprimer. Un texte dans une langue différente, c'est traduire, monsieur. Mm-hmm. Très bien. Ensuite,
Trois. Qui? Trois. Une langue qui est reconnue dans les textes de loi et peut être utilisée librement dans une institution ou un pays. Pour moi, je pense que c'est trois, la langue officielle. Très bien. C'est une langue officielle. Quatre, s'il vous plaît. Prêt. Quatre, une langue qui est un moyen principal de communication entre les services d'une institution internationale, c'est une langue de travail. Ok, très, c'est une langue de travail. Quatre à cinq. Fina. Cinq, une langue maternelle, c'est une langue natale. C'est une langue natale. D'accord. Et enfin? Enfin, six, la coexistence de plusieurs langues dans un environnement international, c'est le multilinguisme. C'est le multilinguisme. D'accord. Très bien. OK. Alors, on passe à l'étape 6.3. Un atelier, s'il te plaît. Activité 3. Oui, monsieur. Activité 3. Écoutez le commentaire de l'infographie et répondez aux questions. 1. Quelle est la question posée en début du reportage? 2. Quelle est la place du français dans la diplomatie? 3. Diplomatie. Diplomatie. Ah, oh, diplomatie. Ah oui. 3. Que s'est-il passé au 18e siècle et en 1919 pour le français? 4. Quelle est la situation actuelle du français? 5. Quelle est la situation à l'ONU? L'ONU. Et dans à l'ONU et dans les langues européennes. OK. Six. Ah oui. Quelle six. Phrase? Conclut le reportage. Merci. OK, très bien. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ça va, les questions? C'est bon. Vous vous écoutez et puis vous répondez. Cette fois-ci, on écoute. Il n'y a pas de vidéo. Je vais faire écouter. D'accord? Bonjour. En cette période de grande tension sur la planète, les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler? Dans le domaine de la diplomatie, le français a toujours été en pointe. À partir du XVIIIe siècle, il remplaçait le latin pour la rédaction des traités internationaux. Et c'est en 1919, pour le traité de Versailles, à l'issue de la Première Guerre mondiale, que le français a dû, pour la première fois, partager avec l'anglais. Aujourd'hui, le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, fait partie des langues officielles des principales instances internationales, de l'OTAN aux Nations Unies.
Au sein de l'Office de l'ONU à Genève, une large partie des documents, avant d'être traduits, sont rédigés en anglais. La langue française arrive en seconde position, puis viennent les langues espagnoles, russes, arabes et chinoises. Seuls l'anglais et le français sont reconnus comme langue de travail à la Cour internationale de justice. Dans les instances européennes, alors que le Brexit est passé par là, l'anglais reste prédominant, mais il est demandé que chaque représentant s'exprime dans sa langue natale. C'est ce que l'on appelle le multilinguisme. 24 langues officielles pour les 27 États membres. À l'arrivée, de belles journées de travail pour les 5000 traducteurs des instances européennes. Pour la petite histoire, chacun sa langue, c'est l'option qui a été choisie ces jours-ci pour les nombreuses et longues conversations téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Le français, le multilinguisme et les traducteurs ont donc encore de beaux jours devant eux. Ok, vous avez 30 secondes et puis on réécoute avant de corriger. Ok, deuxième écoute. En cette période de grande tension sur la planète, les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler ? Dans le domaine de la diplomatie, le français a toujours été en pointe. À partir du XVIIIe siècle, il remplaçait le latin pour la rédaction des traités internationaux. Et c'est en 1919, pour le traité de Versailles, à l'issue de la Première Guerre mondiale, que le français a dû, pour la première fois, partager avec l'anglais. Aujourd'hui, le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, fait partie des langues officielles des principales instances internationales, de l'OTAN aux Nations Unies. Au sein de l'Office de l'ONU à Genève, une large partie des documents, avant d'être traduits, sont rédigés en anglais. La langue française arrive en seconde position, puis viennent les langues espagnoles, russes, arabes et chinoises. Seuls l'anglais et le français sont reconnus comme langue de travail à la Cour internationale de justice. Dans les instances européennes, alors que le Brexit est passé par là, l'anglais reste prédominant, mais il est demandé que chaque représentant s'exprime dans sa langue natale. C'est ce que l'on appelle le multilinguisme. 24 langues officielles pour les 27 États membres. À l'arrivée, de belles journées de travail pour les 5000 traducteurs des instances européennes. Pour la petite histoire, chacun sa langue, c'est l'option qui a été choisie ces jours-ci pour les nombreuses et longues conversations téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Le français, le multilinguisme et les traducteurs ont donc encore de beaux jours devant eux. Ok, ça va? Ça va mieux ou non? Non, monsieur. Non? Non, monsieur. Ok, encore une fois, avec la vidéo. En fait, on regarde la vidéo, d'accord? On y va.
En cette période de grande tension sur la planète, les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler ? Dans le domaine de la diplomatie, le français a toujours été en pointe. À partir du XVIIIe siècle, il remplaçait le latin pour la rédaction des traités internationaux. Et c'est en 1919, pour le traité de Versailles, à l'issue de la Première Guerre mondiale, que le français a dû, pour la première fois, partager avec l'anglais. Aujourd'hui, le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde, fait partie des langues officielles des principales instances internationales, de l'OTAN aux Nations Unies. Au sein de l'Office de l'ONU à Genève, une large partie des documents, avant d'être traduits, sont rédigés en anglais. La langue française arrive en seconde position, puis viennent les langues espagnoles, russes, arabes et chinoises. Seul l'anglais et le français sont reconnus comme langue de travail à la Cour internationale de justice. Dans les instances européennes, alors que le Brexit est passé par là, l'anglais reste prédominant, mais il est demandé que chaque représentant s'exprime dans sa langue natale. C'est ce que l'on appelle le multilinguisme. 24 langues officielles pour les 27 États membres. À l'arrivée, de belles journées de travail pour les 5000 traducteurs des instances européennes. Pour la petite histoire, chacun sa langue, c'est l'option qui a été choisie ces jours-ci pour les nombreuses et longues conversations téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Le français, le multilinguisme et les traducteurs ont donc encore de beaux jours devant eux. Ok, ça va mieux, non? Je peux faire quelques questions, monsieur. Alors, on va voir ensemble. Ok, question 1, quelle est la question posée au début du reportage? Alors, c'est quoi la question? Vous entendez ou non? Non? Attends. Non? Pour moi, non. Je ne sais pas. Je ne peux pas différencier. Tonicité, la intensité de son voix, monsieur. Est-ce que c'est la phase informatique ou non, monsieur? Je ne sais pas quelle phase c'est la question. C'est une question posée au début du reportage. En fait, ce que vous voyez tout à l'heure, ce que vous regardez, c'est un reportage avec la vidéo sur les multilinguismes et la diplomatie. D'accord? Donc, je vais faire écouter encore une fois, et c'est la dernière fois, et puis je vais arrêter au moment où vous écoutez, vous entendez la réponse. OK? On y va. En cette période de grande tension sur la planète, les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler? C'est ça la question. Est-ce que vous entendez? J'utilise le chien, j'utilise la langue française pour parler. Ah oui, très bien. Utilise, c'est qui utilise le français pour réfléchir et se parler? Qui?
Écoutez encore une fois. Tension sur la planète. Les décideurs utilisent. Les. La planète. Non, c'est pas la planète. C'est quelqu'un. Les. Écoutez attentivement. Traducteur, monsieur. Écoutez ici. Écoutez. Les décideurs utilisent. Les. Les décideurs. Les. Les décideurs, non. Les. Décideurs. Les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler? Ok, je vais écrire un petit. Ça, les décideurs. Personne qui décide. Mmh. Ça veut dire en fait, oui, est-ce qu'ils décident, les décideurs, ils utilisent le français pour réfléchir et se parler? C'est ça la question au début du reportage. D'accord? Ok? Oui, monsieur. Ensuite, quelle est la place du français dans la diplomatie? Écoutez. Non. Écoutez, on peut voir. C'est après ça, hein? Tout de suite après ça, c'est la réponse. Période de grande tension sur la planète, les décideurs utilisent-ils le français pour réfléchir et se parler? Dans le domaine de la diplomatie, le français a toujours été en pointe. Le français a toujours été. Était toujours en pointe. Très bien, le français a toujours été en pointe. C'est quoi être en pointe? Le premier. Attendez. Être en forme, monsieur. Attends, j'ai écrit d'abord la réponse. Attendez. OK. Le français a toujours été passif. D'accord? C'est le passif passé. En pointe. C'est quoi être en pointe? Quelqu'un peut expliquer? Le français a toujours été en pointe. Popularité, monsieur. Le français a popularité. On peut dire ça, oui. La français est célèbre. Oui, c'est l'app. Mm-hmm. Ok. Julien, c'est quoi? Attends, je pense que c'est le premier choix. Quand on pense, on peut utiliser. OK. Très bien. C'est bon. Oui, c'est ça. On passe à l'exercice 3. Alors, que s'est-il passé au 18e siècle et en 1919 pour le français? Au 18e
au 18e siècle et en 19 pour le français, la langue française remplace latin. C'est ça, monsieur. Attends, je partage. Ok. Encore une fois, s'il te plaît. En 1919. Oui, il y a autre chose. Oui. Donc, tu peux dire au 18e siècle, c'est quoi? Au 18e siècle, la langue française a remplacé le latin. Oui, il a remplacé le latin. Oui. Et je vais essayer de... Oui, attends. Et attendez, les suites. Un siècle. Il, ça veut dire le français. Hein? Le français, hein? Il a remplacé. Le latin pour écrire les traités. Ça, les traités. C'est bien. Internationaux. Vas-y, en 1919, c'est quoi? Le France, en 1919, le français est partagé avec l'anglais en première fois. Très bien, très bien. J'ajoute un petit peu, hein, en 1919, pour le traité de Versailles, à la fin de la guerre mondiale, première guerre mondiale, d'accord, les Français, il a partagé, OK, très bien. Il a partagé pour la première fois. Pour la première fois, ah oui, l'anglais. Très bien. Donc, c'est un peu long. Donc, je mets où, hein? Je mets ici. D'accord. C'est bon? OK. Et quelle est la situation actuelle du français maintenant? La situation ATL du français, le français reste la deuxième. Non, c'est pas la deuxième, c'est la. La cinquième. Très bien. Le français est la. La cinquième langue la plus parlée dans le monde. Oui, cinquième langue la plus parlée dans le monde. Très bien. Ou on peut dire qu'elle fait partie des langues officielles, d'accord, des principales instances internationales comme l'OTAN et les Nations Unies. D'accord? OK. Cinq. Quelle est la situation à l'ONU dans les instances européennes? C'est multilinguisme, monsieur.
Non, on peut dire, en fait, bon, peut-être, ça va, je vais expliquer. En fait, à l'ONU, par exemple, à l'ONU, une majorité des documents, ça veut dire, on peut dire une grande partie des documents sont rédigés, sont écrits, d'accord, sont écrits en anglais et puis traduits. D'abord, on écrit en anglais. Hein, on écrit en anglais et puis on traduit en français, en arabe, en espagnol, en chinois. OK? D'accord? Oui, monsieur. Donc, l'anglais reste dominant, on peut dire dominant, dominate, hein? Malgré le Brexit. Ça, vous connaissez le Brexit? Même si l'anglais n'est plus encore dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'ils sortent, l'Angleterre sort de l'ONU. D'accord? Voilà. Vous savez cette information? Oui. Le Brexit. Ça veut dire l'anglais maintenant n'est plus partie des pays européens maintenant. Même si ce pays-là est situé en Europe, mais n'est plus partie dans l'Union européenne. Mais l'anglais reste encore dominant, prédominant, hein, d'accord, dans les instances européennes. D'accord? OK? Et pendant la réunion, chaque représentant de chaque pays, il s'exprime, d'accord, dans la langue ou dans sa langue natale, ça veut dire dans la langue maternelle. D'accord? Donc, il y a 24 langues officielles pour les 27 États, ça veut dire pour les 27 pays membres. Et il y a aussi 5 000 traducteurs dans l'ONU maintenant. 5 000 traducteurs. 27 pays membres et 5 000 traducteurs. 24 langues officielles pour 27 pays membres et 5 000 traducteurs. D'accord? Je vais envoyer la réponse complète dans le groupe. D'accord? Maintenant, je vous explique. Compris? Maintenant? Oui. On termine et après, on finit le cours. 6. Quelle phrase conclut le reportage? C'est-à-dire, on conclut que la conclusion. La français, le multilinguiste, le traducteur. Le français, le multilinguiste, les traducteurs ont. Ont quoi? En deux jours devant ça, c'est bon. Oui, monsieur. OK, je vais vous envoyer la vidéo et puis vous finissiez activité 4 et activité 5, on laisse. C'est-à-dire parce qu'on vous demande de créer une propre vidéo pour présenter votre représentation du français, c'est-à-dire pour présenter la langue française dans notre pays. D'accord? Et dans votre parcours, c'est-à-dire dans votre travail, dans votre
Quoi, savez, vous utilisez le français, vous apprenez le français, vous utilisez le français pour quoi faire à l'université, d'accord, ou en travail, d'accord. Donc vous présentez là, mais en vidéo. Mais si tu veux faire, si tu veux faire, tu peux. Enfin, si tu veux pas, c'est pas grave. D'accord. Ok. Merci, monsieur. Monsieur. Donc, bonne soirée tout le monde. Ah, pardon, et bon week-end aussi. Hein. On se voit lundi. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir.